Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à La Gloire Céleste, LGC qui est votre émission et qui vous apporte bien sûr les nouvelles concernant le Royaume Céleste. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale, rien que pour vous, qui bien sûr parle du ministère Femmes Affranchies. Et sur le plateau de La Gloire Céleste, nous avons avec nous de six belles dames qui vont bien sûr se présenter. Bonjour. Bonjour, c'est Monique Kachema. Bonjour. Lina Baweni, bonjour. Deti Akindele, bonjour. Monica Mwabi, bonjour. Bonjour, mon nom est Noémie Vampili. Bonjour, c'est Darius Tomatala. Bonjour, mesdames. Alors, le ministère Femmes Affranchies est venu, bien sûr, sur le studio de la Gloire Céleste. Parlez-nous de ce ministère. C'est un ministère, comme nous sommes là, vous devez deviner que c'est un ministère qui parle de Jésus-Christ. Mm-hmm. C'est un ministère de puissance, de gloire, et qui amène les femmes à se préparer à la rencontre avec Jésus-Christ, qui amène les femmes à se connecter au Seigneur. Et en se connectant au Seigneur, elles sont transformées, elles sont guéries, elles sont délivrées, et elles vont même influencer leur entourage. Amen. Et ça change vraiment les femmes. Effectivement, elles vont changer même leur communauté, ça c'est très fort. Et comment est-ce que le ministère Femmes Affranchies arrive à emporter ces femmes à ce changement-là? C'est par des conférences retraites. Si nous sommes sur le plateau aujourd'hui, c'est parce que nous avons un rendez-vous pour les 17, les 18, le 19 février à l'hôtel Sheraton pour notre 7e conférence. La 7e? Oui, la 7e qui est la 3e à cet endroit-là. Et si nous avons voulu amener cette information à ces plateaux, c'est pour toucher tout le Canada, tous les États-Unis, y compris les Bahamas. Parce que la femme qui va venir, elle verra sa vie changer. Nous avons vu des guérisons, des miracles de toutes sortes. Nous avons vu des vies transformées, des gens s'approchant de Jésus-Christ, qui en étaient éloignés, qui étaient tombés, et qui allaient même influencer leur entourage. Et en ce moment-là, ça les prépare à la venue de Jésus-Christ. Ça les prépare à ce qu'elles vont vivre quand nous irons dans les véritables royaumes célestes. Amen. Ça, par exemple, c'est la chose. If I could add to that, of course. One of the key messages of the Redeemed Women's Ministry is the love of God. And ever since the Redeemed Women's Ministry has started, the men and women of God who have founded this ministry have taught us that the Lord loves us. So can you imagine that the creator of the world, the creator of the universe, the God Almighty loves you. And that is why we invite you, whether you've known Jesus Christ before or whether you do know him now, there's a love that the Lord wants to make you feel. So come, because in these retreats, you will feel this love and the love of God will beat with your love. So come and receive it. You know, if I can add about what you're saying, because we are not just coming because we feel like coming. Mm-hmm. Personally, in this ministry, we have so many testimonies. Yes. Myself, I do have tons of them. But today, maybe I'm going to share only one. Please go ahead. Yes. I'm going to talk about myself. I had a child with a learning disability. So it was very tough for my family to see my beautiful girl without not knowing to read or doing something. It was so much painful for me. I believe so. When I joined this ministry, I decided that time, I guess that was the second conference that we did organize. I brought my whole entire family. That was something. Because I was saying myself that, you know, this time around, I would better come out with something. So when I brought my girl, the woman of Lord prayed for my girl. So she said to me, say, like, Mom, I felt like something came out of myself. Came out? Oh, yeah. Yes. Now that is great. I'm like, okay, right now I do not understand what you're saying, but I do know that something strange happened to you. So 2 days after that, I saw my girl bring a paper, a mask paper. That was the phase A
that my girl Eva received. Now we're talking about 2 days right after. Two days after. So now let me tell you the funny thing. Please talk to me about like that. My girl now, she can read any kind of book. Mm-hmm. She's reading like Bibles. Amen. And then the funny thing is like when I'm cooking, she will come like, Mom, do you want me to read you a Jonah's story? I'm like, wait a minute, I'm cooking now. It's like too much. I'm like, God, okay, you're bringing me into high dimension. So this is what I really love about this ministry. Amen. You can be coming here being down to the pit, but God will rise you up like an eagle. You'll be rising up, that's for sure. Yes. So I don't know about people that are watching us now. You may have experiencing some kind of problem, maybe more than the one I do have, but let me show you that today, if you pick up the phone, do not delay your salvation. Just pick up the phone and join us. Yes, you will amen. See what Jesus Christ is going to do for your life. Amen. It's going to be more higher than myself. Mm-hmm. Just pick up the phone. Do not let anybody, anything disturb you to come. I like that was the message. I like that enthusiasm. I like what you're speaking about the ministry. En tout cas, c'est tellement captivant d'entendre tout cela. Mm-hmm. Et même, d'ailleurs, si Noémie, vous avez peut-être quelque chose à dire, parce que je vous voyais tout enthousiasmée dans ce témoignage. D'Eti ici qui a donné vraiment un très beau témoignage par rapport à sa fille. Oui. Et effectivement, pour ma part aussi, le ministère Femme Affranchie, en tout cas, je puisse dire Dieu à travers le ministère Femme Affranchie plutôt, a fait de grandes choses dans ma vie. Mm-hmm. Parce que pour ma part, je ne suis pas originaire du Canada même, je viens de France. Et quand je suis arrivée de la France pour le Canada, je suis partie sans but, sans sachant pas vraiment quoi faire ou où aller. Okay. Et Dieu m'a déportée seulement comme ça au Canada. Voilà. Et je bénis Dieu parce que en arrivant ici, ça a été un changement radical pour ma vie à travers le ministère Femmes Affranchies. Ce ministère m'a apporté la vie. Ça a été une école formatrice pour moi, pour ma vie de prière, parce que je me proclamais chrétienne, mais je ne savais pas comment prier, je ne savais pas comment chercher la face de Dieu, et ça vous fera peut-être même rire, mais étant passée même par les eaux des baptêmes, je n'avais jamais fait un jeûne de 21 jours, chose que j'ai appris à travers le ministère Femmes Affranchies, et qui m'a apporté bien de bonnes choses et beaucoup de délivrance et beaucoup de bonnes choses dans ma vie chrétienne. Donc c'est vraiment un ministère qui m'a apporté beaucoup, qui a su me sortir au-dedans de moi-même, m'apprendre comment chercher la face de Dieu, parce que c'est vraiment très important, surtout dans ces temps de la fin, comme on nous dit souvent que Dieu est de retour, il revient très bientôt. Donc c'est important vraiment de chercher la face de Dieu, et ce ministère-là, il aide. Il m'a aidé moi, et je suis convaincue qu'il aidera beaucoup d'autres femmes. C'est pourquoi je vous invite vraiment à venir nous rejoindre dans ce ministère. Voilà. C'est la 7e conférence que Dieu nous permet, nous fait grâce de pouvoir réaliser. Et donc, j'aimerais vraiment solliciter toutes les femmes des quatre coins du monde, de la France, des Caraïbes, de n'importe où, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de... Il n'est pas limité, exactement, merci. Voilà, en tout cas. Et ce n'est pas un Dieu limité, donc j'aimerais faire appel à toutes ces femmes de partout pour pouvoir nous rejoindre dans ce ministère, parce que, comme vous l'avez précisément dit au début, c'est un ministère international. Donc, s'il a fait des grandes choses pour moi, il peut faire aussi des grandes choses pour vous. Amen. Donc, ce rendez-vous du 17, du 18 au 19 février 2012, c'est un rendez-vous vraiment divin et à ne pas manquer. Amen. En tout cas, chers téléspectateurs, comme vous l'entendez, bien sûr, ces dames sont enthousiasmées. C'est la 7e conférence, vous êtes tous invités, internationalement, bien sûr, et nationalement. Amen. Et là, bien sûr, j'aimerais, pour quelques secondes, parce qu'on est en train de mettre le point sur la 7e conférence, mais j'aimerais que vous puissiez me parler de ces grandes choses. Hein. On a parlé déjà de la 2e conférence, et puis il y a eu ce si grand miracle, mais de ces conférences passées. Quelles étaient ces expériences? Qu'est-ce que vous avez vécu pour être si convaincu que la 7e conférence sera quelque chose de nouveau, de différent, de grand? Si vous pourrez me donner juste en quelques secondes, Darius, de me parler.
Si je peux parler personnellement, d'abord, avant de parler de mon expérience personnelle, j'aimerais d'abord inviter toutes les femmes à venir vivre la gloire que nous vivons pendant nos conférences retraites. Nous vivons la gloire de Dieu pendant la louange, pendant l'adoration et même pendant la prédication de la parole de Dieu. Dieu se manifeste vraiment pendant nos conférences retraites et c'est là de façon magnifique et manifeste. Parce que nous venons, les femmes venant de partout qui viennent louer notre Dieu d'être comme un seul homme et vraiment dans l'harmonie, ces femmes laissant leur maison, laissant toutes leurs responsabilités et qui viennent se dépouiller de leur personnalité juste pour louer notre Dieu et pour l'adorer. C'est vraiment une chose magnifique que nous vivons pendant nos conférences retraites. Et c'est ça qui doit être grand, hein? Toutes ces femmes qui viennent de partout, laissant toutes choses. Exactement, exactement. Et vraiment, Dieu se manifeste dans sa gloire. Nous voyons les cieux s'ouvrir et nous vivons exactement la gloire de Dieu. C'est vrai. Donc, c'est ce que je voulais dire. Vraiment. Et puis, je vous ai entendu parler de l'adoration, la prédication. En tout cas, il y a des secrets qui se trouvent à l'intérieur, hein, parce que ce n'est pas juste des petits sujets à soulever, n'est-ce pas, Monica? Well, I always have the habit of saying that worship is love responding to love. So, when we go there and we worship God and we praise God, we are basically responding to the love of God. And we, when we worship, the thing that I love about this ministry is that we don't care. We don't look at the time. Honestly, with God, there's no time. So we let the Holy Spirit do His job. We let Him do what He has to do. And we're just there. And we're like, Holy Spirit, here we are. Take control. And that is the main thing about the worship and the praise that we offer to our God. We don't offer Him a worship and praise where we limit to human things or whether we're hungry or whether we're tired. No, it's all about Him for 3 days. And I think that's all that we can offer God. It's all that we can offer Him. Alors, chers téléspectateurs, comme vous avez entendu nos dames, bien sûr, il y a beaucoup à dire, mais restez des nôtres, parce qu'après cette publicité, nous retournerons bien sûr pour parler en plus de ce qu'elles ont pour nous. Merci.